Bonjour, Eric Guérineau, principal du Collège Voltaire d'Herbault. Durant cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir toutes les activités pédagogiques et éducatives pour vous accompagner dans votre projet scolaire, mais aussi et surtout construire votre projet personnel. Je vous souhaite une bonne visite du Collège et merci à l'ensemble de l'équipe éducative pour la réalisation de ce projet. Je m'appelle David Chevet, donc je suis professeur documentaliste au Collège Voltaire. Donc, je m'occupe de tout ce qui tourne autour de la lecture et de la découverte des médias. Donc, par exemple, pendant la semaine de la presse, il y a eu la création d'un magazine par les élèves où chaque élève écrivait un article. Il y a eu aussi des ateliers de soutien à la lecture pour les élèves en difficulté. Et Silence on lit, un dispositif donc, autour de la lecture où tous les élèves du collège, pendant un temps donné, lisent ensemble. Bonjour à tous, je suis Claire, la chef de cuisine de l'établissement et je vous souhaite la bienvenue dans notre restaurant scolaire. Nous servons ici en moyenne 220 repas par jour, cuisinés sur place à base de 46% de produits locaux. En temps normal, trois choix d'entrée sont en libre service dans un bar à salade. Dans la continuité de la ligne de self, nous présentons les produits laitiers, fromage ou laitage, deux à trois choix de dessert et deux plats avec leurs deux garnitures. Notre but principal est d'initier les élèves au goût, mais aussi et surtout de leur permettre de passer un moment agréable avant de terminer leur journée de cours. Donc bonjour à tous, on se réunit là pour la réunion du CBC. Mais c'est une réunion pour améliorer le collège. On se réunit deux fois par mois. On essaye d'améliorer la vie du collège. On a fait des mouchoirs, on les a construits et on va les mettre en place bientôt. Donc les nichoirs, c'était en lien avec une commission qu'on a dû créer aussi dans le CBC. Est-ce que vous vous souvenez du nom de cette commission? C'est les éco-délégués. On est obligé de créer ça au début d'année pour faire des actions écologiques dans le collège. On a décidé d'installer plein de poubelles partout dans la cour pour qu'il y ait moins de papier par terre. On va faire une salle où on pourra aller pour se divertir. Il y aura plusieurs jeux et tout ça. Les deux buts et les deux paniers de plastique qu'on a installés. Au Collège Voltaire, il y a plusieurs façons de pratiquer une activité physique, sportive et artistique. En éducation physique et sportive, de façon obligatoire, en 6e, deux fois deux heures par semaine. Mais aussi à l'association sportive, vous pratiquez différentes activités très variées. Des activités collectives, du badminton, de la natation, de la plongée.
Wow.